Pour le magazine de ce dimanche, nous recevons le directeur général des douanes ivoiriennes, le colonel major Issa Koulibaly. Nous allons parler avec lui des douanes de Côte d'Ivoire et de leurs défis pour 2014. Merci, mon colonel, d'avoir accepté notre invitation. Vous étiez à Yamoussoukro, vous et toute l'administration douanière, cela dans le cadre d'un séminaire bilan et perspective, vous avez fait le point de vos activités pour l'année 2013. Le bilan est positif avec plus de 1 000 milliards de recettes. Et pour 2014, les douanes ivoiriennes entendent mobiliser 1 246 milliards de francs CFA pour contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Nous allons suivre ce reportage d'Adama Koné. La messe est dite sur le travail à abattre par la douane ivoirienne au terme de deux jours d'intense réflexion au pied de la basilique de Yamoussoukro. Aller au-delà des 1 246 milliards de francs CFA de recettes inscrites au budget 2014. Le directeur général qui a réaffirmé cette option a déjà en idée un plan d'exécution. Une feuille de route qui prend ses racines dans les recommandations issues du séminaire bilan et perspective achevé ce samedi. Entreprendre de profondes réformes dans la procédure de gestion des ventes aux enchères. Transférer les prérogatives de contrôle de la destination des marchandises exonérées à la direction des enquêtes douanières. Renforcer le contrôle de l'apurement des admissions temporaires ordinaires, ATO. Abroger la circulaire 16-17 relative à l'interdiction des importations et au dédouanement de marchandises aux bureaux frontières. Accélérer la migration vers le SIDAM World version 2 en vue de la mise en œuvre du paiement électronique. L'administration douanière est ainsi au garde-à-vous, prête à jouer sa partition dans le développement de la Côte d'Ivoire. Mon colonel, c'est juste un résumé de ce séminaire. Est-ce que vous pouvez aller au-delà? Merci. Vous avez écouté tout à l'heure les résolutions telles qu'elles ont été déclinées. Ces résolutions vont être traduites une fois qu'elles auront été validées par notre tutelle qui nous a pas ménagé son soutien en plan d'action stratégique. Et ce plan d'action va assigner des objectifs spécifiques à chaque direction qui devra s'atteler pendant l'année 2014 à le mettre en œuvre. Et nous veillerons à ce que ces résolutions ne restent pas lettre morte. Mon collègue, en 2013, vous avez dépassé 1 000 milliards de francs CFA, une véritable prouesse. Quelle a été votre stratégie? La stratégie, elle est toute simple. Lorsque je suis arrivé à la tête de cette administration, j'ai dit qu'il fallait poursuivre et achever les différentes réformes qui avaient été déjà entreprises. Donc, il s'agit de renforcer, d'en finir avec ces réformes, notamment l'informatisation de toutes les procédures, autant que faire se peut, pour éliminer l'intervention de la main humaine, renforcer la prise en charge, lutter de façon rigoureuse contre la sous-facturation et la fraude, la contrebande, la contrefaçon, la fraude de manière générale sous quelque forme qu'elle se présente. Voilà ce qui va constituer l'épine dorsale de notre combat en 2014. Et nous pensons qu'avec le soutien de la tutelle, si les mesures d'accompagnement que nous avons sollicitées nous sont données, nous n'avons aucun doute, notre détermination est sans faille pour aller chercher ces 1 246 milliards. Et d'ailleurs, notre ambition, c'est de les dépasser. Félicitations déjà. L'objectif 2013, mon colonel, était d'atteindre 1 175 milliards. Et vous avez atteint 1 129 milliards. Oui, le dysfonctionnement. Oui. Effectivement, nous aurions voulu atteindre les 1 175 milliards et même les dépasser. Mais l'objectif au niveau des marchandises générales, parce que c'est là qu'il y a eu les difficultés, l'objectif a été fixé à 769 milliards, 56 francs. Pour réaliser cet objectif, ce qui supposait une progression de l'ordre de 23,8%. Par rapport aux réalisations de l'année dernière qui se sont fixées à 621,79 milliards de francs.
Or, le taux de progression n'a été que de 7%. Donc, l'hypothèse de départ ne s'est pas vérifiée. En plus, nous avons connu quelques perturbations dues au passage d'un système d'inspection avant embarquement à un autre système d'inspection à destination. Et vous savez que tous les changements ont leur mélancolie. Le passage d'un système à un autre a créé quelques dysfonctionnements, même si des efforts notoires ont été accomplis dans ce domaine. Il faut souligner aussi que nous avons eu la suppression du scanner, ce merveilleux outil qui nous permet d'opérer des contrôles non intrusifs, aussi bien sur la qualité que sur la quantité. Il y a évidemment aussi qu'il ne faut pas oublier le coût des exonérations qui pèse essentiellement sur les marchandises générales et qui se chiffre cette année à près de 182,1 milliards, soit 16% des recettes douanières. Et il faut dire que c'est près de 95% de ces mesures qui pèsent sur les marchandises générales qui constituent l'essentiel du potentiel de recettes. Voilà un ensemble de facteurs qui ont obéré nos résultats à ce niveau. Mais cette année, nous pensons que l'opérateur technique qui a été choisi aura fait les réglages nécessaires, notamment en matière d'évaluation, de disponibilité des certificats de classification et de valeur. Donc le rythme de déclaration va s'accélérer et nous pensons que nous devons, avec l'ensemble des mesures que nous avons arrêtées au niveau du séminaire et avec la cohésion, la détermination des uns des autres, nous devons réussir à réaliser les 1246 milliards et même voir les dépasser. En tout cas, c'est notre détermination et rien ne sera laissé de côté pour atteindre cet objectif. Bon, félicitations déjà une fois de plus, hein, mon colonel. Alors donc, vous allez vous battre pour atteindre 1246 milliards. Vous avez travaillé, vous avez énuméré un certain nombre de stratégies mises en place qui vous a permis d'atteindre 1129 milliards. N'eût été certainement la fraude. Quel message vis-à-vis de ceux qui ont coutume, l'habitude de frauder? Alors, je voudrais dire, et vous me donnez l'occasion pour le rappeler, que cette année, plus que par le passé, la lutte contre la fraude sera féroce. La sous-facturation va être combattue par tous les moyens. Et comme nous avons l'appui d'un opérateur technique, je pense que sur ce chapitre, on peut déjà s'attendre à de bons résultats. Le renforcement au niveau de la prise en charge va être également une priorité pour faire en sorte que tout ce qui parvient à nos frontières, au port d'Abidjan, puisse être pris dans ce que nous appelons le panier de manière à avoir une liquidation efficiente. La contrebande au niveau de l'intérieur, là aussi, sera combattue avec l'arrivée d'effectifs au niveau du renforcement des ressources humaines pour permettre de barrer la route à tous ceux qui cherchent à contourner les bureaux frontières pour accéder au territoire national. Renforcement humain, au-delà de ça, est-ce que vous avez les moyens véritablement, surtout concernant nos frontières? Vous avez raison. Du pays, vous avez raison. Vous avez raison. Lorsque nous passons, par exemple, pour prendre celui qui nous est le plus familier, pour prendre le Ghana, lorsque nous passons de la frontière du Ghana à Ulubo, à notre frontière, au bureau frontière à Noé, véritablement, c'est le jour et la nuit. Et vous savez que pendant près de plus de 10 ans, il n'y a pas eu d'investissement conséquent dans ces bureaux frontières, donc il y a eu la précarité. Et nous avons, avec le soutien de la SOUTEL, nous avons un plan pour réhabiliter ces bureaux frontières. Et vous me donnez l'occasion de le dire, les 2000 agents ex-combattants qui vont être injectés au niveau des effectifs vont être déployés sur l'ensemble du territoire national, du territoire douanier, nous disons, notamment au niveau de l'intérieur, pour faire en sorte que la porosité dont on se plaint et assurer aussi la sécurité, parce que nous avons aussi ce rôle-là, pour que nous puissions, à ce niveau-là, mettre un coup d'arrêt à la contrebande qui se passe à ce niveau et aussi au niveau de la contrefaçon. Vous avez parlé de renforcement humain, vous avez parlé tout à l'heure de 2000 combattants qui vont vous rejoindre bientôt. Comment sont-ils formés pour pouvoir vous rejoindre, bien sûr, et puis au niveau de leur recrutement? Merci. Alors, vous me permettez de mettre, de balayer du revers de la main, en tout cas de rétablir la vérité des faits sur le recrutement de ces ex-combattants.
D'aucuns pensent qu'on a ramassé le premier kidam venu sans aucun diplôme, sans aucune formation. Non. Ces jeunes gens qui ont eu à manier les armes dans des circonstances sur lesquelles je n'ai pas besoin de revenir, ont été recrutés selon des critères bien précis. Le niveau minimum de chacun de ces ex-combattants, c'est le BPC. Et vous savez très bien que compte tenu de la demande, il y en a parmi eux qui ont la maîtrise. Et donc ce sont des personnes qui ont un certain niveau intellectuel. Et comme ils ont déjà été, se sont familiarisés avec les armes, la formation à ce niveau, elle a été de 3 ans. Ils vont recevoir une formation, ils ont reçu d'abord une formation théorique, professionnelle en matière de technique douanière, et la formation va se poursuivre au plan continu de la formation continue, tant et si bien que nous pensons que c'est un personnel qui sera tout à fait opérationnel, et ce sont des personnels de la catégorie C et D. Là où il y a eu des déficits, des personnes, des agents qui sont partis à la retraite et qui n'ont pas été remplacés. D'autres, il n'y a pas eu de recrutement. Et donc, nous pensons que nécessairement, nous pensons que ce supplément est indispensable si l'on veut véritablement arriver à une couverture optimale de l'ensemble du territoire douanier et lutter ainsi de façon efficace contre la contrebande, contre la contrefaçon, ce fléau qui menace non seulement l'économie nationale, mais aussi la santé des Ivoiriens. Parce que quand on parle de contrefaçon, il y a toutes sortes de marchandises dedans, les faux médicaments, les aliments contrefaits, et j'en passe. Donc vous voyez que ce personnel-là sera utilisé à bon escient. Merci, mon colonel. Mais 2000 ex-combattants, est-ce que ce n'est pas excessif? Ce n'est pas trop? Est-ce que vous pourrez les payer? On pourrait le penser, mais le payer... Vous savez que le gouvernement du président Alassane Dramane Ouattara ne fait rien au hasard. Tout a été planifié. Tout a été planifié, tant au niveau de la fonction publique, leur intégration, qu'au niveau du trésor, où le budget a été voté en conséquence. Donc, nous n'avons aucun problème à ce niveau, au niveau de la rémunération. Si les choses n'étaient pas prévues de cette façon, le recrutement n'aurait pas lieu. Donc, 2000, ce n'est pas excessif. 2000, pour nous, c'est vraiment... On n'a pas fait ça au hasard. On est parti sur les effectifs existants, notamment dans les brigades, et l'effectif opérationnel qu'il faut dans une brigade pour que celle-ci d'abord assure sa propre sécurité et ensuite faire face aux contrebandiers. On ne peut pas lutter à deux seulement dans une escouade contre la contrefaçon, contre la contrebande. Sachez que ces personnes qui utilisent leurs moyens et leur intelligence pour fossoyer l'économie nationale sont parfois... se déplacent parfois en caravane et lourdement armés et donc constituent une menace pour 2 ou 3 agents qui se retrouvent totalement isolés pour faire face à cette horde-là. Donc il faut arriver à avoir des brigades avec un effectif opérationnel et non avoir comme dans certaines unités 4 agents, 2 agents, 3 agents où ils ne peuvent même pas faire face, assurer leur propre sécurité, à plus forte raison, lutter contre la contrebande. Et à ces agents, vous allez donner les moyens? Naturellement, on ne va pas recruter un personnel, aller les déployer dans des frontières sans qu'il y ait les moyens qui suivent. Donc, les moyens seront revus en conséquence et là-dessus, nous comptons énormément sur l'appui de notre tutelle et c'est l'occasion que vous nous donnez pour... leur dire merci beaucoup pour tout le soutien qu'ils nous ont apporté lors de ce séminaire. Oui, merci mon collègue. Vous avez parlé tout à l'heure de la frontière Côte d'Ivoire-Ghana et les frontières au nord du pays, Côte d'Ivoire-Burkina, Côte d'Ivoire-Mali et Côte d'Ivoire-Libéria et Guinée. Mais oui, je n'ai pas voulu citer toutes ces frontières, mais vous savez très bien que ces frontières se trouvent totalement dans la même situation, notamment lors de la crise militaro-politique que nous avons connue pendant près de 10 ans. Toutes ces parties du territoire national, du territoire douanier, n'ont pas été sous la maîtrise de l'action des douanes, parce que la situation était celle-là, mais aussi faute de moyens suffisants en personnel humain. Donc toutes ces frontières, toutes ces brigades et même les unités mobiles d'intervention seront pourvues, dotées en moyens conséquents et notamment en ressources humaines adéquates. Alors mon colonel, on va revenir à votre bilan, le bilan des douanes ivoiriennes, pour ne pas personnaliser... ce bilan, 2013, vous avez bien travaillé. 2014, vous attendez atteindre 1246 milliards et contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Vous allez confirmer? Non seulement je le maintiens, mais je le confirme.
et je n'ai aucun doute dessus. Parce que je dis toujours que lorsque le président de la République, dans sa vision, promet aux Ivoiriens un État émergent d'ici l'orée 2020, mais c'est une invite à ce que chacun, là où il se trouve, quel que soit son niveau, apporte sa contribution à cette émergence-là. Et les douanes ivoiriennes entendent prendre leur part de façon active, sans hésitation aucune. De façon active et de façon responsable également, mon colonel. Voilà, c'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. C'est également la fin de cette édition. Restez avec nous sur RTI 1. Merci.